Toujours et encore à l'écoute de sa base, le lit délicatie Charles Kiwilawa Bakunda est allé libérer des malades qui traînaient encore dans les lits d'hôpitaux. Il commence par les centres de santé de référence Saint-Luc dans la commune de Chitourou au quartier Toyota où, après avoir suivi cette SOS de cette dame, émis de compassion, celui qu'on appelle Wetu Aparo n'a pas fait un sou d'oreille. Il est allé trop vite libérer cette dame qui a fait pratiquement 5 mois à l'hôpital par manque de moyens financiers. Charles Kiwila, Charles, même pitié sana merci, kwa hii evre papa unifanishia, juu mishi kuwazie papa muivini kwa hapa saa, unezi unifanishia ta hii evre ya hivi, mine mifisha sana papa, Mungu amibariki sana tu baba yangu, juu shikuwazie papa, nafua 5 mwamu pitalo papa. Au nom de l'hôpital, l'infirmière dit merci à Charles Kiwila. En tout cas, au nom du centre Saint-Luc, merci sana. Tuko vraiment reconnaissant kwa acte hii mnafanya. Hivi mnamtosha, c'est comme si mnamwepargne tena kwa malaria nyingine ile inaweza kumupata a partir ya mu hospital. Hii acte ishimamie hapa kwa bene na pale bana style na boku ba aider. Mwendelee na pale tuko natoka, yeye mwenyewe Mungu njo atamirudishia tena atona na kia kufanya na mwe. La délégation de Charles Kiwila s'est rendue dans la commune de Kikula pour libérer cette autre malade, notamment 3 femmes qui ont subi l'accouchement par césarienne, une fille de 9 ans souffrant d'un problème de cœur. Les bénéficiaires s'expriment en ces termes. Merci sana. À partir de Makamboyo et Zouakingaï, et les Kakingaï, Makassi. Merci, ça, la modèle pour les amis. Voyote, mon tête, la chicoisie, une surprise. Charles Kiwila Bakunda prône sur la politique sociale.